Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui unboxing avec la boutique GBFKE. Voilà, donc j'ai déjà eu plusieurs présentations d'articles de cette boutique. Tout s'est toujours très bien passé et ça continue à bien se passer. Alors ici le colis a été enregistré le 30 août et aujourd'hui nous sommes le 15 août, le 15 septembre, je repartais en arrière, nous sommes le 15 septembre, donc le colis a mis une petite quinzaine, donc délai tout à fait normal, les délais reprennent le bon chemin en ce moment, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux DP, une broderie et un accessoire pour la broderie. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Je vais vous faire ça face bureau. Ce sera beaucoup plus pratique et sympa pour que vous voyez tout bien en détail. Je vous donnerai les prix et je vous mettrai en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires pour vous retrouver donc les kits que je vais vous présenter et également le lien de la boutique. Voilà, comme d'habitude, si j'ai d'autres petits renseignements à vous communiquer, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Allez, on y va? C'est parti! Allez, nous voilà partis pour la présentation des articles. Donc, je vais commencer par la broderie, puisque là, il n'y en a qu'un. Je vais commencer par celui-ci. Je l'ai déjà déballé, comme ça, ça évite le bruit du plastique qui est toujours un peu embêtant. Et oui, comme vous avez vu, c'est un DIY cross-stitch. Mais bon, ça va, hein, je m'y fais. Le principal, c'est que la toile soit bien imprimée, qu'on a des bons fils, et voilà. Alors, je vous montre le dessin tout de suite de ce que j'ai choisi. Alors, sur le site, ça s'appelle Beauté Ancienne. Donc, c'est un... Alors, c'est un 11CT. Il mesure 46 cm sur 36 brodé. C'est-à-dire que c'est un 40-50. Voilà. On a, comme d'habitude, les deux aiguilles. Voilà. On a, comme d'habitude... Oh mon Dieu! C'est pas de mieux en mieux. Attendez, c'est quoi ça? Ah! D'accord. Ils font économie de papier, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec la boutique, hein. Là je crois que c'est le fournisseur. Sur le coup, je vois ça, je me dis oh problème, parce que là le dessin, vous voyez, c'est les dessins Walt Disney. Complètement raté, hein. Donc là ça devait être une fin d'encre et du coup bah, ils ont imprimé de l'autre côté le bon patron. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je sais bien que il faut être écologique en ce moment, mais bon, là il y a des limites quand même. Bon, le patron, on va pas en parler plus, hein. On sait que les patrons DIY cross stitch. Donc ça doit être sûrement encore un ancien, parce que il commence un petit peu à s'améliorer, un petit peu, mais je pense que là c'est un ancien. Hein, bon, oui, on n'en dit pas plus, hein. Non, on n'en dit pas plus. Mais là, ça je l'ai jamais eu, hein. Double face avec un autre kit derrière, ça je l'ai jamais eu. Bon, soit, c'est pas grave. Je vous montre la toile. Heureusement, la toile est plus jolie. Alors, attendez. Voilà. On voit, on devine la forme du personnage sur la toile. Alors, comme je vous disais, c'est un 40-50. Mais
à broder. Donc, je vous rappelle, c'est un 36 sur 46. Voilà, 36 sur 46. C'est un 11 CT. Il y a 129 points sur 173 points. Il y a 22 317 croix à broder. Voilà. Alors, ici, on va avoir la légende. Donc, avec les 1, 2, 3, 4, 5, etc. On a nos symboles ici, au milieu. Là, nous avons les codes DMC de couleurs. Et la dernière colonne, ce sont les vraies couleurs que l'on va broder. Alors, on regarde de ça un peu plus près. En même temps, on voit si les symboles vont être compliqués ou pas. Bon, là, le petit carré rouge et le grand carré rouge. Il faudra bien faire attention, je pense. Et là, bleu marine, bleu roi, bon, ça devrait aller. Alors, niveau impression, bah écoutez, ça a l'air d'aller, hein. Donc là, oui, c'est une petite flèche. Donc, on va avoir un peu de confetti. Voyez. Alors le jaune, ça va être quoi le jaune? C'est le 21. On va regarder après. C'est une couleur claire. Ouais, on va avoir un peu de confetti ici aussi, voyez. Mais bon. Niveau impression, ça va. Tout est bien droit. Ça ne bave pas. Non, très bien. Faut quand même des choses qui aillent. Niveau couleur. Alors, hop, je vous montre les couleurs. Un petit peu de rouge. Un bordeaux gris, bleu, vert. Un rose, gris, marron, des beiges, des gris clairs, un rose clair, un bleu un peu roi, bleu marine, grège, marron, et ici, alors en vrai, ça fait un marron ro rosé. Voilà. Et de l'autre côté, voilà, il y a un... Ah ben, décidément, qu'est-ce que c'est ça? Ah, le nœud n'a pas été fait là. Là, il y a un petit peu de rouge, rose, un gris. C'est celui que je vous disais tout à l'heure. Donc, ce sera le jaune, la couleur jaune sur la toile. Ce sera brodé avec ça. Du vert, du parme, du marron et encore un marron clair, marron glacé. Voilà. Je vous montre. Alors, le prix, par contre, de la broderie, j'ai oublié de vous le dire, c'est 7,49 €. L'accessoire broderie. C'est du fil, oui. Donc voilà. Vous avez déjà vu, j'ai déjà présenté une bobine comme ça, mais dans une autre couleur. C'était dans les couleurs marron, vert, orange. Et ici, dans les tons rose, il y a du beige, il y a du bleu marine. Voilà, vous voyez. Il y a un peu de reflet vert. Donc voilà. Bon, j'ai pas encore essayé hein, ces fils, ça ne devrait pas tarder. Moi, je veux m'en servir pour broder, bien sûr. Mais là, je crois qu'il faudra, au lieu, vous voyez, c'est très très fin.
Au lieu d'en mettre deux ou trois, il faudra peut-être que j'en mette un peu plus. Alors, la bobine comme ça, 3,99 €. Et niveau... Ah, c'est pas marqué. Je vais vous le remarquer en bas pour vous dire le nombre de mètres qu'il y a de fil. Je crois que c'est 3000, mais je vous redis ça. Je vous le marque sur l'écran. Pour la broderie, c'est terminé. Maintenant, on va passer au DP. Alors, celui-ci, c'est un DP que Chouchou a choisi. Vous l'auriez deviné. Moi, je vous montre tout de suite l'image. Attends. On va l'aplatir un peu. Voilà, des dragons. Alors, si j'éteins, est-ce qu'il y aura moins de reflets? Oui, bon. Donc, ce sont des dragons. Alors, c'est un complet. Au début, quand Chouchou l'a choisi, on pensait qu'autour, il n'y aurait rien à mettre. Mais si, il y a du blanc. C'est un 20 couleurs, c'est un 40-40. Je vais vous montrer tout de suite l'impression, puisqu'on est déjà sur le kit. C'est une toile pailletée. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, là, vous voyez, c'est pailleté. Bon, là, niveau colle, ça va. Donc là, c'est le fond qui sera en blanc. Je vais vous montrer au niveau des couleurs. Voilà. Voilà, c'est bien imprimé, il n'y a pas de problème, c'est bien clair. On voit bien tout. Donc, voilà pour le kit. Donc, vous retrouvez la légende en haut à gauche, en bas à droite. Ici en haut, les références du kit. Vous retrouvez même... Là, le dessin, mais je vais vous le mettre en image, hein, ce sera beaucoup mieux. Et ici, des explications pour savoir comment faire. Dans le kit, vous avez votre petit toolkit de base, hein, le plateau, la glue, le stylet. Et on va, j'aurais dû déballer avant, je suis désolée, je vais faire du bruit. Les perles. Donc, ce sont des perles rondes. En chapelet, je sais que Chouchou préfère les sachets zippés, mais bon. Alors, donc voilà les blancs. On va avoir trois sachets de blanc pour faire le fond. Là, un kaki. Un jaune. Alors ça doit être du noir. Le 2. Oui. Il fait sombre maintenant. C'est pas possible. Alors attendez. Non. Voilà. C'est vrai que maintenant il fait très sombre. Avec le temps qu'on a. Voilà, trois paquets de noir. Un gris. Les plus foncés, un grège, beige clair, orange, un autre jaune, un couleur vanille, bleu, un bleu, c'est plus clair que le bleu marine. Ici, un autre bleu, un bleu roi, marron, marron. Du vert, encore un marron,
un rouge bien pétant et un marron orangé. Voilà. Donc voilà pour le premier kit. Hop. Je remets juste les perles comme ça. Et je vais mettre mon kit sur le côté. Alors ce kit, le prix, si j'ai oublié de vous dire les prix. 4,99 € pour le dragon. Ici, alors celui-là, on ne sait plus qui l'a choisi, si c'est moi ou Chouchou. Je pense que c'est moi. Alors, ce sera certainement moi qui le ferai, qui le fera, qui le ferait, qui... Oui, qui le ferait. Je ne sais plus parler français. Ah, c'est du sachet zippé. Voilà, ça c'est bien. Perles rondes, vous voyez déjà les couleurs sont très jolies. Je vais vous les montrer en détail. On a le petit toolkit de base, hein, le plateau, la glu, le stylet, comme d'habitude. C'est un kit qui fait 40-30 complet avec des perles rondes. Voilà, au prix de 5,99 €. Je vous dis le prix tout de suite, comme ça je n'oublie pas. Et voilà. Alors, oh pardon. Voilà, excusez-moi. J'avais bloqué pour pas que ça floute, mais... Voilà, une dame. Donc, ça s'appelle Beauté sur le site. Voilà, il y a toujours des papillons. Donc, ici, vous retrouvez le dessin. Mais je vous remettrai la photo, hein. Avec le nom Stick Drill Aera, mais je sais pas si c'est le nom du kit ou 3040, la référence du kit. Ici, vous allez retrouver les légendes. Donc là, on a des symboles, on a des lettres. Il n'y a pas de chiffres, oui. Que des symboles et des lettres. Et là, bien sûr, c'est les références DMC. Niveau symbole, bon, il n'y a pas de difficulté, je pense pas. Non, ça va. Alors, niveau impression, voyons ça. Ça va, c'est bien imprimé, surtout dans le noir. Dans les couleurs... Hop, 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 ne floute pas, s'il te plaît. Ne floute pas. Voilà. Ça veut pas. Voilà. Dans le rouge, là, peut-être. Mais bon, ça va, j'ai bientôt mes nouvelles lunettes, ça ira. Non, ça va. Côté impression, il n'y a pas l'air d'y avoir de souci. Et... Il y a de la colle. Alors, les perles maintenant. Alors, ce sont les sachets avec le petit diamant. Du rouge. Donc, je pense qu'on va avoir de belles couleurs. Le marine. Ah, ça doit être certainement pour le fond. Il y a de temps en temps des sachets. Alors là, ils sont écrits à la main. Ici, on retrouve le sachet avec le diamant.
bleu marine. Joli ce verre-là. Bordeaux. Un. Violet, turquoise, et pour terminer, un rouge un peu bordeaux. Voilà. Voilà, donc on avait... Désolée pour les reflets, mais là je ne peux pas faire grand-chose. Il y a trop de lumière dans... Enfin, trop de lumière. Avec la lumière artificielle, c'est compliqué. Ça. Et donc notre kit de broderie, voilà, plus le fil à broder en bobine. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et si j'ai oublié de vous donner un renseignement, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Si vous voulez retrouver ces kits, ça se passe en barre d'infos. Je vous mets tous les liens utiles et nécessaires. Et puis, ben, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup la boutique GBFKE, toujours aussi généreuse et gentille lors de nos échanges par email. Là, je vous ferai d'autres vidéos, bien sûr, sur ces articles, hein, comme d'habitude, au fur et à mesure que l'on va les faire. Donc, vous pourrez les retrouver dans d'autres vidéos. Et je vais vous laisser pour aujourd'hui. Voilà, je vais vous faire des gros bisous et nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.